Congolais télévision to kuteni susna bino pour que to meka ko partager l'actualité aux ali na kati ya République démocratique du Congo lelo oyo to ko beta masolo na maignon sur Itali et politique la vie politique ya RDC to uti wapi to komi wapi to zokende wapi to ko eba yango na kati émission na biso lelo parce que to ko pousa na pene pene ya mapona mi déjà na fin du mois de juin oyo esika wapi seni alaka ki ete depuis ba candidature et ko salema et ko banda déjà donc ville ko zala mouvement comme on a le lien avec la politique qui va continuer à la candidature na bango na seni nyonso wana to meka un peu ko développer na kati na émission na biso ya lelo to ko yeba lelo oyo église catholique ezali na ngambo ya opposition to ezali na ngambo ya majorité na déclaration seulement ki bongo na kati ya okatanga epa ya archevêque ya Lubumbashi sika wapi alobaki ete ye ako kumisa bato oyo bazali ko kabola mboka te kasi azali pona bato oyo ba kosangisa et puis à l'obiété bah on a soyo bah continue la population na kati ya kukupir na misère à kuzali toujours ko senga na bah i mboka yete baza la vigilant bongo na kati ya nyoso to ko yeba est-ce que église catholique a ko jouer carte nini et puis to kotala malandi nyoso etali situation sécuritaire lelo oyo une année d'occupation ya Bunagana et pas ba M23 solution ezali nini nyoso na kati émission na biso ya lelo to ko yeba yango chef de l'état fait 60 ans d'anniversaire na yeto ko continue toujours koloba na ye joyeux anniversaire Mukwa Tombolo Fatshi Béton to koloba joyeux anniversaire na cabinet Mobimba et puis na membre nyonso ya famille na mama Marthe Kasalu et joyeux anniversaire na bande ko nyonso ya Fatshi Béton na bandi et lelo to ko panda sango na mwana mboka oyo to ko benga affectueusement prince Kinana ya zali bongo cadre ya CRD parti cher ya mwana mboka Christophe Mbosonko ya Mpwanga honorable président ya Assemblée nationale et bongo na ye neto ko partager ba sujet nyonso ekoleka na kati ya République démocratique du Congo mwana mboka prince Kinana mbote na yo mbote ndeko Olivier mbote na ba congolais nyonso tout ba kolanda biso de par le monde na ko banda bongo nanu na waya mbole chef de l'état fait sans que tu le garant de la nation la haute autorité politique union sacrée moto toli kozong c'est la matone de mingi po na vision politique na ya ki nango au te bengi la refondation de l'état la reconstruction de l'état nation au moni Lumumba pesa biso l'indépendance et politique na bande ko nso babunda na ye un kondo mobutu ali biso l'indépendance intégrité territoriale kondo Etienne Tshisekedi ali biso l'indépendance la démocratie à travers sa lito ya ki nango et maintenant l'indépendance économique et la réelle émergence voyana fils en tant que Mbote na ye joyeux anniversaire, Kakanengo Lobi Yango. Nos voeux le meilleur, chef de l'État. Sagesse, longévité, prospérité, bonheur, courage, persévérance. Mion surtout Nzambaye Bakoto Belayo, selon degré à foi Oyo Alina Yango, parce qu'il est chrétien comme nous. Mbote na Christophe Mbosonko Diapongo, Ali présent à l'Assemblée nationale, puis autorité politique qui appartient à Ngaï. Ali quoi accompagner vis à tête mon Dieu Kolo, on a Katia Union Sacrée, qui est une méga plateforme politique de gouvernance. Paix électorale, où il y a un candidat qui a été porté dans l'élection 2023 pour que les Congolais aient renouvelé le pacte républicain à Yali, Félix-Antoine Kyé Tshilombo, à travers l'Union sacrée. Na pesi mbote na bakadre, un peu au cadre, na bandi na basije oyo otie, tokoy ba komanya na malamu pour que voilà, lelo oto kobeta masolo na situation politique ya République démocratique du Congo, lelo oyo mwana mboka. Opposition est collée là acharnement, pouvoir en place est comme ça l'acharnement et président Félix Antoine Tshisekedi a commis ma touche, il y a dictature dans la carte de la République démocratique du Congo face à la situation on a eu mon ennemi mon amboka. D'abord, c'est un coup de savoir qu'au moment où l'opposition n'existe plus, l'opposition a été l'amboka. Donc, comme il n'a frustré à pouvoir, bande ko oyo ba boti motema li kundu motema mabe cette hargne là, au moni bato yo ba regretter, ba rejeter du peuple. Qu'est-ce que le bloc antipatriotique contre écolo au lieu de combattre la gouvernance à travers une vision, mais on va rebondir sur on va rejeter le pouvoir, on va opposer. L'opposition est mon anarana katia institution. Le peuple a pris la chambre délibérante. Même si on a un peu de temps, il y a un copier la démocratie. On a que l'opposition est dans la chambre délibérante, dans le parlement. On a quand on a quand. Mais tant que Bango, Baliko, qui m'a dit si kawana,
pour que les gens s'allient dans les ennemis de la République, va créer insécurité. Une opposition magicienne, une opposition fétiche, une opposition qui a créé insécurité dans Mboka, une opposition qui a été image en Mboka, Mabé, la Libanda, pour que les investisseurs, les partenaires internationaux soutenir les colotés. Une opposition qui a été congolais, qui a été couffa. Une opposition qui a été. Dans un état démocratique, fondement de mon temps, tout le monde a dit que la reconstruction est État-nation. Alors, il y a un instauré État de droit. Dans un État de droit, les citoyens ont des droits, mais aussi et surtout des devoirs envers l'écolo. Ndeko, tu as vu que vivre dans la jungle, tu as la jungle qui est allée. Il y a un temps où il y a surtout, et c'est à reconnaître que nous sommes dans un État. Nous ne vivons pas dans un non-État. Ok, absence, il y a la loi et non, non, il y a des lois et des principes normatifs organisés l'État au Sénégal, tout respecté. Je dis ça, aujourd'hui, nous avons accueilli que ça lié à un mouvement rebelle, un ennemi à l'école. Mais les compétences sont d'attribution. Les renseignements militaires sont d'attribution. Mais je vais vous expliquer politiquement aussi pour comprendre. Ndeko ali en connivence dans l'IM23. Ndeko a détenu Mindouki illégalement. Et c'est ce qui va interpeller. Tout le monde a une marche sur Bakendaki. Kubake une marche qui se fait être pacifique dans Mindouki. Il y a une marche sur la pointe de presse dans Badouille. Or, l'ICS est en trois parties. Toi, il y a amorce, toi, il y a douille, toi, il y a projectile. Tant que ba béti arme à feu, pour les bimisa, l'ICS est amorce et indikaka. Projectile, poudre, il y a douille et koué, il y a et si comme tu as béti, l'ICS est allé. Bon, on va y aller à douille, on a point de presse, on peut dire que bon, on va y aller à ma sassi pour que ma kéta la bande de courant. Bon, que ça la marche sur l'île pacifique, bon, qu'il y ait un CPI à défaut de qualité. Bon, qu'est-ce que c'est CPI pour qu'on dit que tu vas beaucoup faire les ventes. Bibembeko là la makile ko tanga ba congolais c'est pays ya moni moni parce que tout mon ayi fait tout mon ayi fait brigade ya ce sont de faits oyo et ba ekola ki sa ke ba prémédité ki ba acte moko et ba ali ba acteur ya révolte ba ali ba acteur ya insécurité congolais nous surtout ayebi ke ndeko Kagame ali partenaire privilégié en ndeko Katumbi partenaire d'affaires Ndeko Kagame ali partenaire d'affaires ya Ndeko Katumbi to mona Ndeko Kagame na Mo Ibrahim basali Ndeko Mo Ibrahim ali un homme d'affaires soudanais britannique basala point de presse bavanina Ndeko Kagame neto vaninga na yo boy bakoluka Katumbi Ndeko Kagame atuna where is Katumbi wapi Katumbi bakoluka parce qu'ali partenaire d'affaires na ye tangu tata monzo ekolo ayé ko instaurer Aligné instauré paix, tant qu'on a état de siège et asphyxié l'économie à Rwanda. Rwanda a été mis clairement la vérité expansionniste à la rampe pour l'écolo. Tant que Bentera Kagame a menacé dans le Congo, Kagame a fait un utilisé comme un partenaire pour qu'il ne soit pas faire dans le entre autres, il y a Katumbi. Si on a fait un conseiller à Salomo, il a conseillé à Katumbi. C'est-à-dire que il y a représenté Katumbi et pas Kagame. Alors, tant que le service de sécurité va retrouver la culpabilité, le service de sécurité va retrouver quelques preuves de culpabilité, pourquoi pas interpeller. C'est ça aussi l'état des droits. Mais c'est la même chose depuis que Félix est président de la République. Il y a quand même ça, Congolais, il faut qu'on ait le Komoko. Nous avions fait 18 ans dans ces pays, ou plus de 18 ans. Question à Est de la République, tu en as résolu dans mon caca à travers ma brassage dans le mixage. Parce que c'est ça le plan à Kagame. Qu'on déportait ma peuple rwandais dans la RDC pour qu'il aille au Kamba et Kolo. Quand Kagame s'est retrouvé dans ces pays, il y a un
Il faut qu'on dissocie Bandeko, Bandeko sala musala na ba fonction étatique le Bandeko biforme Bisselé qui était conseiller de la chef de l'État. Accusé na le coup d'État. Mais le coup d'État. Les compétences sont d'attribution. Il faut bien à Bandeko un combat qui va charger Wana. Sur tout le monde, sur qui va prévoir à la qui. Vous savez, Félix Tshisekedi n'engue à aucun négocier sa mandat ou aller grâce à Nzambe. Nzambe l'engue mingi. On découvre des caches d'armes partout. Rwanda a activé qui va mécanisme nio surtout Félix c'est un homme à abattre pour donc freiner la réforme pour celle de la République démocratique du Congo pour donc empêcher Congo va décoller ma multinationaux va bénéficier en quitter à Congo va koyi bango tongo midi pourquoi au Félix ça veut empêcher vous devez venir investir au pays tout travailler dans un partenariat gagnant gagnant bango oyo lelo pour intérêt na bango comme inquiété ba ko la kimia tiens cette question à guerre il y a est. Il y a un enjeu géopolitique et géostratégique. Hormis la rivalité interethnique et la racoula. Alors, quand on va servir de sécurité qui a alerté, qui va foyer des tensions d'insécurité au Salema, on trouve découvrir la cache d'armes. Le général rwandais, il va longer la FARDC à travers la réforme de Salah. Il va faire 400 ans beaucoup. Il va être en contact avec lui. Il va interpeller le Salah. Mais est-ce que on parle de la République. Mais toujours des thèmes solo. Sous agression rwandaise. Non, cause de tout le parallélisme et forme. L'invasion russe en Ukraine. Vous trouvez un opposant ukrainien à qui en contact avec Poutine. Que va dire l'État ukrainien? Mais dans le cadre de la République démocratique du Congo, on a mis ça. Parce que tu es mis. 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 On sait que. Tu es mis. 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 Tant que tu as un mécanisme pour dérwandaliser l'écolo à travers la réforme auto-engagée dans l'armée, tu as un cognon surtout wana au Bakota. Tu as un cognon. Et on a été mis et brassé. La réforme auto-engagée, quand on fait des réformes, on a un poste clé. On est en train de les changer. À chaque brassage, à chaque mixage, à chaque infiltration, tu as touché le gouvernement, diplomatie, administration. Service de sécurité. Voilà même la question dans l'Est de la République du Congo à l'international, sur le plan international, opinion internationale, et à la qui floue. Parce que quel est le mécanisme et le fonctionnement à Kagame? Ruse, mensonge, paix, manipulation. Ce que Bateau a représenté la République du Congo, l'Ibanda, c'était des Rwandais. Mais les gens qui ont le Congo, ils ont plaidé pour le Congo. Au moins, on va parler des Européens, on va le Cambodge, la guerre à l'Est, on doit le Rwanda. Par rapport aux Nations Unies, qui ont licence, on va noter Rwanda. Il faut recommander que l'opinion internationale, c'est-à-dire l'opinion internationale, toujours y a déjà. Il reste maintenant la dynamique interne, l'opinion nationale. Et pendant que ça, la guerre, les deux opinions sont très nécessaires, l'opinion internationale et l'opinion nationale, ne ont engagé guerre à travers une armée forte et dissuasive. Parce que l'armée n'a pas une équipe multinationale. Or, une armée multinationale ne gagne pas la guerre. Il fallait qu'on nationalise en haut, qu'on forme en haut, qu'on pèse en haut logistique moderne, qu'on bosse en haut. Le secrétaire général de la Nation Unie a déclaré haut et fort que l'IM23 a un armement sophistiqué. Mais est-ce que. Oh, c'est un complot international. Voilà, alors face à ces complots, nous devons réveiller l'opinion nationale, la dynamique interne, pour que tout le monde sorte. Ce n'était pas seulement les M23, il y a une coalition RDF M23, l'armée rwandaise. Pourquoi? Parce que Kagame
À moins qu'il fallait utiliser le dernier pion parce que Tshisekedi est venu l'asphyxier. Alors, pendant que tout ça a été fort, tout le monde est là, qu'on en termine avec cette insécurité. Mais pour des raisons politiciennes, pour l'envie d'accéder au pouvoir, un Congolais, avec un Eurocota en Côte d'Ivoire, ça va être un Eurocota. Non, tout le monde est là. C'est la nation, c'est la patrie. Na bandi ete ba landia Congo Live Télévision ba kolanda biso eza la même ba diaspora parce que Congo Live Télévision eza li partout et kokota partout même la carte à présidence et pas ya Mukwa Tombolo Congo Live Télévision eza li même na bisika nyoso na Goma na Ituri bande ko ba kolanda biso to koloba inane ya ngoyo bunagana na maboko ya ba rebelle ya M23 FARDC to bengi EACAE. Et assez à sali le cola moi tout bien en gros le cola à pas coller moi ma foute na mbebo après ma partie au nion soit assez à zoaki et zongi l'ango sur et pas M23 est-ce que parti à est un beau cannabis ou éco zalana sous en prise y a bas jeu y a bas impérialiste ou soit bah congolais basé na parti est un beau cannabis ou bako zela au moins tant que paix et zong en a parti ou en a mon amour le Cambodge est la République démocratique du Congo et le col à mouton en d'abé la malaria pali grave à Melara qui cité tant baye ba pesa et qui si malade de salarané et c'est n'était diminué après quoi qu'on récidivité et comme il souma kati mais mon nga oya solo solo sera moni bon à l'embara qui si on a dit à continuer avec le même médicament jusqu'à éradiquer la maladie. Pourquoi? Parce que l'anticorps, en tout cas, qui est déjà affaibli, assiégé par la maladie. Il faut un temps pour que l'anticorps ait un pifo. La ligne colobanine. Baï, FARDC, on va jura devant le drapeau. Au prix de leur sang, il y a qu'on défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Et colo, la patrie ou la mort. Bango, essayez de vaincre. Mais ma pinga, on est comme affaibli. Ma pinga est affaibli. Tant ma pinga est affaibli, il faut que la moussayango, le col anticorps dans l'autre, qu'on peut saye ma structure d'appui. Pendant que la moussayango, on continue toujours qu'on ne peut pas repousser. Oui, c'est bien bon, Bounagan est occupé une année, mais ma congolais, ce n'est pas la première fois. Malheureusement, dans l'histoire, FCC va lobby et Bango va zagina pouvoir et dans la paix perdue, va y na pouvoir parti mon côté à est et Kendara et pas et ça va occuper sous occupation. Mais l'élo, oyo Félix Antoine, je rappelle au Congolais, je rappelle au Congolais que Kabila présent vivait dans les pays dans ces pays. Bounagana a été occupé plus d'une année, mais ça ne faisait renseigne-toi. N'a pas que je suis Congolais, peut-être le col à que. Bango ba simba ki ba media. Les gens ne savaient pas. Mais Bounagana a occupé sous régime de Kabila par le 1-23 entre 2012 et 2013 pendant une année. Même Bounagana là, malheureusement. Chose que biso to yoto ti ça. Ils allaient ba révélation aux autres. Na ko peso révélation. Tout ça là au monde en ngote. Kende ko luka, kende ko luka na ebisi Bounagana a été occupé sous Kabila pendant une année. Mais chose que Bissoto Golingate, sous Kabila, il y a eu des localités qui ont été occupées depuis Kabila a au pouvoir. Tina Nenga Longue, obligé de récupérer avec Félix Tshisekedi dans l'état de siège. Près de 150 localités. Mon Amboka, na chance ou administration, ils allaient partager entre les gouvernements. Na M23, toi, il n'y a pas de son tampon. Je n'aimerais pas tout qu'il y ait un exercice ou un. Moi, j'aime pas ça. Mais dans Golinga Golek Sabatou, c'est que nous faisons avec Félix Tshisekedi. Le mal a été profond. La question d'exemple, c'est que les Bounagana déjà allaient occuper. Mais le problème, Yalinini, je t'ai dit que, est-ce que vous avez dit que tout Tiki Bounagana, ça fait une année. La CPC a dit que Komoti, le Lua Ligar, a 2,345,410 km². Les drapeaux qui flottent à Bounagana, ce n'est pas les drapeaux rwandais. L'administration a dit partager. Dans le MBCO, que c'est une situation où la maladie est récidivée. Parce que qui s'y est. Mais pendant que nous sommes en train de réformer l'armée, pendant que nous avons combien de départs tu connais qui tant que Kabemba est venu, ministre de la Défense, on va répertorier tous les officiers supérieurs. De mon côté là, Kombo Nayo, CV, tout, ma formation récit. Combien de départs
au colonel Tchengereo à rejoindre M23, au colonel Bissimakara à rejoindre M23, au colonel Tchanzu à rejoindre M23, au Rumangabo à rejoindre M23. Combien de départs? Pour vous dire que le mal a été très profond. Vous voulez qu'une maladie Oyomutu abela pendant près de 30 ans? Pourquoi avoir commis la chimiothérapie pendant 4 ans maladie on a ici là? Mais nous parlons d'une guerre géostratégique. L'État a comme mission régalienne la sécurité publique, la tranquillité publique. La sécurité publique, l'État a assuré à travers la force de sécurité. Or, ces forces de sécurité est comment qui affaiblit là qu'on répétait. Il fallait d'abord qu'on réforme yango toali ko sala. Qu'on pèse vraiment la logistique moderne yango to ko sala. Jusqu'à quand mandat libre c'est comme bien après c'est nasuka. Vous savez, dans 5-6 mois, un homme d'État, selon Winston Churchill, un homme d'État, un vrai homme d'État, a pensé à la belle élection, a pensé à la future génération. Au moins, il n'y a pas de faire qu'on réforme l'armée. Il y a l'impôt d'avoir raté le mandat naé. Avant ça, on a pour la école, pour la patrie. Donner à l'armée, à la nation congolaise, une armée forte et dissuasive, capable de repousser l'ennemi, capable de riposter à chaque mouvement insurrectionnel, à chaque attaque. Pas une armée qui va aller négocier, pas une nation qui va résoudre la question de la guerre politiquement, parce que Eloko Oyo et Nyoroli et Kolo. Parlement congolais est interdit, gouvernement brassage, mixage et autres. Pourquoi? Parce que il ne veut le plus te résoudre des questions wana politiquement ni même des problèmes sur la salle qui est en liboso. Ça te résoudre en politiquement à travers le brassage et le mixage. Le but va rejoindre les sous. Parce que c'est ça le plan de Kagame, qu'on instaurait un État voyou au centre de l'Afrique pour instabiliser l'État congolais et déporter le peuple rwandais vers la nation congolaise pour envoyer Baran qui était à écolo. Mais cela doit cesser et aussi la Nengeni. Toutes les nations du monde. Ce sont des monstres froids. Alors, c'est sécurisé à travers l'armée là-bas. Il y a un peu de repos sur tout ça. Et le mal a été très long. Nous devons encore patienter. Pour riposter face à l'agression, face à la situation, nous avons les canaux Est et Mboka Nabiso. Les lots EAC, Bengagi Bango, venez EAC, Baye, dans la partie Est et Mboka Nabiso. Mais les lots EAC a croisé Mboka Nae. Il a aussi l'offensive. Les lots Oyo, Tokoyo Kake, Sade qui peut aller au BETE, Bamsou, Bapayim, Moussou, Babie, Bissot, Routine, Nabisote, Bissot, Royate. Situation Est et Mboka, vous allez en aller en Mboka. Parce que EAC, c'est où tu contactes qui n'a rien que tu l'obtiens que bon local les alli zone moko batuti bazali bango na bango baswahili bako bako meka un peu kotala nengeni ni bako solo la pour que EAC na force na ye abenga na M23 mais EAC a ye a grande surprise azo ya banene na ba rebelle ya M23 les lots situation zali nengeni omoni l'unique batu oba capable ya kokufa pour la république du Congo ali kaka ba FARDC. Dans le cadre régional, dans ma coopération sous-régionale, tu recourir dans ma pinga mosus. RDC a lié un pays continent. Ton côté n'a bitouka et belé. Pour son émergence, pour son développement, pour na kimia na yango, il s'agit tous à la bitouka et belé là où on parle de la RDC, que la RDC soit représentée. Politique à chaise vide et foot à rater. C'est dans ce cadre diplomatique que ton côté n'a pas organisé belé. On ne parle pas seulement de la RDC, parce que la RDC, les 7 pays membres ont formé une force régionale, une task force. Et il y a qu'à intervenir aux côtés des FARDC pour que Sungaban. Mais cette force, vous voyez, au lieu d'avoir une mission offensive, et il y a une mission observatrice. Bah, quand on a encore observé, chose que vous pas eu de Monisco, ils ont Alors, étant une force constituée pour une cause donnée, le gouvernement congolais a évalué.
bah moni que la mission a échoué. Tant que tu es à niveau ya sous-région, bah renouveler mandat avec une évaluation préalable prévue le 15 juin. Cette évaluation va permettre soit de prolonger soit bakende. Mais pour le gouvernement congolais, ils doivent partir parce que bah sungite. De la même façon avec la Monisco, oumeli na mboka oyo Monisco ya kala ne soki Onik, après comme Monique, après yoko ma Monisco. Et au lieu il y a une mission, il y a riposte, une mission offensive. Et Monisco peut être comme une mission d'observation. Et Bungi même mission en sécurité, il y a la mission, il y a accompagnement et développement, appui aux élections, appui à tel, appui au déplacement des populations. Au lieu de construire une mission, il y a des rebelles. C'est comme ça. Pourquoi nous étions toujours obligés de aller à Rabatouana? Parce que ma pignée là qui m'a cassé. Afrique, la force du nombre, où vous trouvez les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Zimbabwéens. Autant que décision sécuritaire à 8h, à 8h, 2 minutes, Kagame Mayo qui a moi déjà. Parce que bah, y a cette infiltration qui a été profonde, il faut que l'on l'a en nous. Quel fait-on tant que l'on a dit qu'on a dit? On commence par nettoyer. Pour que la nourriture soit propre. Vous voulez que le pays soit sécurisé? Oui. Commençons par réformer l'armée. Et l'autre, c'est tout ça. Réformer en gros jusqu'à quand? Parce que le pays est menacé. Vous savez... Parce que le mal est commis, ma bête. Au moins, restructuration à l'armée rwandaise et pas y'a le chef d'état-major qui va nommer dans Rwanda. Il y a remené Bitumbanaye à l'interne et à Rwanda. Il y a remené à Mabele et à RDC. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Jusqu'à quand? Est-ce que forces armées démocratiques du Congo, c'est-à-dire bah, si, tu es allé dans Mibali? Non, ce qui prouve que Félix Tshisekedi a amené une politique managériale très forte. Une politique sécuritaire qui en vaut la peine. Le Rwanda s'est asphyxié. Kagame a perdu ses intérêts dans Mboka. Quand Kagame est gagné dans ces pays, il ne parlait pas. Quand Kagame est gagné dans ces pays, à nous, ça va restructuration en athée. Mais à comme il était bloqué, il voit qu'il est en train de perdre. Et il perd déjà. À l'international, toute la dynamique internationale est dans le membre de RDC. Au niveau national, l'RDC, la République du Congo, elle a dit qu'on s'est réformé. La réforme, ça prend le temps que ça prend. Comment? Il faut d'abord changer toute la chaîne de commandement. Sous Mobutu, on pouvait compter les généraux dans Misapi. Général Seti, général Bolozi, général. On pouvait les compter avec ceux qui sont 7 à sous Mobutu. Mais vous trouvez un régime qui vous amène près de 500 généraux. Et une seule ethnie, on va venir Tutsi, ayant près de 300 généraux. Et ça, on retrouve en amalam. Donc maintenant, il faut changer cette chaîne de commandement. Et bien, généraux et en haut, et nos soldats congolais n'étaient pas formés. On crée un collège de hautes études de défense militaire. Mais ce même collège va faire 4 sessions et formera le général rwandais. Mais pendant que le général congolais va avoir sa formation de chest down. Et Nambongo, il y a le congolais. Faut y mais je parle de la politique de gouvernance, il y a Kalat. Mais les lopes, président. Quand on vient. C'est Ségué Niazali. Ils ont continué fonctionnalité. Chest de maintenant aujourd'hui. Oui, forme des généraux congolais. Tant que le babon a le rôle de Sangaï. Que l'équipe est Bimisika et que Beta Maman va aller à Barcelone. Il faut entraînement. Nous sommes en bas réforme. Tout ça, il y a un changement. Il faut qu'on forme, il faut qu'on dote Bango. La logistique moderne, l'arme est à Sika. Il y a un Soukoy, il y a Sika. Il y a un moment que le ministre de la Défense a autorisé à la Turquie, à la Russie, à la Kenya partout. Parce qu'il faut qu'on dote logistique à Sika. Il fallait qu'il d'abord qu'on l'a. Régime en notification et Bandeko Frisambango. Il faut définir une politique. Ministre de la Défense soit accueilli lundi, à Zonginaï mardi. Est-ce que la solution est comme il m'en a joué? La politique sécuritaire, on n'en parle pas à la télévision. Mais il faut retarder la bassine et nous faisons des analyses. Même Naya Milo, on a voulu ça. Lundi, na mardi. Mais, arme pendant que ce moment, il faut ça un mois. A quoi qu'il y a accueilli? Parce que, virer, c'est la marabankerment. Ils négocient, nous venons nous doter en armes. Ok, bah,
telle marque, bah, signé papa. Je m'en banquier, je suis venu à Hollande. C'est parce que dans ce pays, tu mets ça, tu es tout à la place publique. Tout, tu es dans la YouTube, tu es dans la TikTok, tu es dans la Facebook. On parle de l'État. On a régime à Kala. Ils ont dit information. Président Félix Antoine Tshisekedi a souffert un peu parce que la communication est malongue. On parle de la politique sécuritaire Yamboka. Ce qui s'est fait, il est dans le sens Yakobo Misamasolo. Et Kobo, tu as déjà un moment. Quand vous voyez qu'Agam est supité là, ou ça, la nuit, c'est parce qu'il y a des choses qui se font. Il fallait une vision sécuritaire. Kopé sa armée n'a une loi. Lui permettant Kopé sa Yéwa Misolo et Sengeli, la loi de formation militaire avec l'ensemble national, coûte à pas qu'il sauve Mosolo les députés. Il fallait qu'on mette les soldats dans la condition et le moment où il y a un casernement. Le camp militaire est rénové. Les écoles militaires sont rénovées. Il y a soldats dans la condition malade. La veuve militaire, le soldat est bigé. Attends, il y a un peu de l'école. Moi, je suis autant à Ophélé. Il y a un soin de santé qui toque Ophélé. Moi, si je suis à Ophélé, je suis à Ophélé, à occuper Bango. Je suis à Ophélé, je suis à condition malade, je suis à 555 étés. Parce que la veuve militaire, pour donner 30 000 francs. Ce qui faisait que bah, les soldats d'Abisso va continuer toujours dans la traîtrise. Parce que la République, et bien, il y a eu qu'on rémunération à Madame Modé. Mais aujourd'hui, papa, dans un pays sérieux, avec des réformes où c'est Félix Tshisekedi à Yenango, c'est tout le peuple qui doit l'encourager. Tous les peuples doivent encourager aussi longtemps que les loyaux. Aussi longtemps que les loyaux. Toko pousse en appel et à ma bonne amie. Union sacrée et Mémi, chef de l'État, à la tête. Les loyaux opposition, les alliés Pembeni, Toko Monabandeko, Fayoulou, Moïse Katumbi, Delice Sanga, Matata Ponyo, Bandeko Ananyosu. Félix Tshisekedi face à l'opposition. Le 20 décembre 2023, qui gagnait les élections? Il les a déjà tous battus en 2018. Sur telle configuration, on a mis surtout malam. Il les a déjà tous battus en 2018. En ayant seulement. En ayant seulement comme allié Vital Kamerhe. Il les a tous battus. Mais les lots. Avec cette configuration. Parce que les élections revêtent un caractère géopolitique social. Et comment on dit qu'il y a un espace linguistique. À l'est, nous avons Kamerhe Baati. Antipas Mboussa Nyamouisi. Julien Paluku. N'est-ce pas? Atanika Bangwana 4 cas en termes de leader. Au centre, nous avons lui-même. Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba. N'est-ce pas? Pour ne pas citer les autres. À l'ouest, vous avez Mbosso. Ce pour l'Union Nationale. Avec quelle magie? À l'est, nous avons Matata Ponyo. Et pas Iwapi. Madame, Nazokoba. Et pas Iwapi. Ba kasiki ya Matata Ponyo ba ndeko ya LGD balobi ete ba tu kwebo atikala kubima député te na est donc ba tu kwebo na est loko akoka kubima député te donc asa est kazali na possibilité ya kopesa président de la république ba voix na est point d'interrogation toye ndeko Delice Sanga fort aussi avec envol. Le président Mbosso Azali tout na Martin Fayoulou. Aussi si. Toujours na est, na Moïse Katumbi. Azali aimé la population Mobimba. Aussi si. Guerre Nali. Aussi si. Na kozoyo moko. Matata Ponyo, selon le professeur Lunda Bululu, Matata fille le président des étudiants rwandais au Zaïre. Na yini kina.
Ma tata tanga na mbongo ya bourse rwandaise. Ma tata pour le fut premier ministre de la République démocratique du Congo. Malembe. Malgré permettre que ngai na yoka. Tiko wana wana ko funda ba régime à Canada. Na wana ko peuple congolais, peut-être les élections, c'est un jeu d'esprit. Elle va monter ma congolais à l'île sous tout que banguna ba kota to bimisa bango mboko fo pesa ba yi congolais. Ma tata fi ambassadeur du Rwanda accrédité au Zaïre. Ou à poster l'une de Boulou Mtaloba. Ngate. Ma tata a quel poids politique à l'Est? Bahati Lukwebo a un parti qui a un poids politique, l'AFDC. Il a des députés. Il y a 8000 députés, mais il y a 8000 députés. Mais ça paradoxe. Non, paradoxe. Il y a un peu de temps. Dans l'Est de la République, tout le monde a descendu, il y a ma tata, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Le leadership de Bahati Lukwebo, vous voulez le comparer au leadership de ma tata. Ma tata veut se faire leader, Mikolo, pour se victimiser, parce qu'il veut, il échappe à la justice. Il y a un fait qu'il a volé l'argent de la République à travers les potes de Bukangalonzo, il a mis l'école, parce que ma tata est le père de la surfacturation. À quel temps à l'université, Kuna? Les populations à Est va baisser ma voix dans les élections à Rabomoté. Trois fois justice et samedi. Trois fois justice. Mais c'est parce que la justice repose sur le fait et le principe. Donne-moi le fait, je te dirai les droits. Justice est à la haut et pour maman. Ils avaient déjà tout boutiqué, mais attendez. Nous allons maintenant réformer les choses. Moi, ma réforme, on te regarde, moi, quand tu as dit la justice. Aucun Congolais ne peut être soustrait de son juge naturel. Comment y est na Kabila bazanga bato bako sambisa bango? Question mark. Tikanga na yana to boom sa Congolais o kokotsa mambebele na mbala boye monsieur wa aussi de l'ennemi. Otengelinga deli c'est sanga. Mais c'est sanga, il a un parti, ça fait combien d'années? Dans ce parti, il est l'unique député de son parti. Depuis tous ces temps à créer parti wana. Parce que d'abord, c'est sanga, c'est un prisonnier libre. C'est un rebelle, il n'a pas une lettre à Rolex Bakongole qui a réintégré la vie civile. C'est ça qu'on a la balangote. C'est ça pour se faire élire député en 2018. Il a fallu abattre campagne pour Fati. Tu as dit que c'est ça en 2018. À la Haki, dans Gambo à la Mouka. Avec les Moïse et les autres. Il a bâti campagne pour Félix Tshisekedi, non pour Fayulu, pour Aleka. Car c'est ça, alors pour Aleka député. Même Ogifenga est plus populaire que c'est ça en Kassai. Mon Amboka. Mais n'a pas le poids politique est qualitatif, il est aussi quantitatif. Qualitatif par rapport à la personnalité que dégage l'homme. Une persona est imputée à Ndebalwa en latin. Quantitatif, dans la chambre délibérante, dans l'institution. Le parti a 600 millions à combien de députés? En vol. Combien de députés? Caraïe, mon gourac. Caraïe. Aucun bourgmestre, même bourgmestre, même chef de riz, il a été. Même chef de riz, il a été. Et vous voulez le comparer? Non, il n'y a pas photo. Au Tangili Sousunani, Fayolo, dites-moi, dans tout l'espace, Gambandundu Mobima, village à Fayolo, comment on l'a dit? Le problème c'était Tambalaki dans l'ensemble, il profitait. Même Adolphe Mouzito, ça n'a fait. Fayulu, c'était une petite souris qui a voulu se faire grand à travers autre leader. Parce que même pour avoir des députés, il a fallu à côté dans la coalition, dans le regroupement. Parce que dans son parti, il a décidé, combien de députés. La compte à regroupement est décidé. Honorable, et durant toutes ces années,
Pour que Fabien Mozaga ne fasse que 4 députés dans le compte de regroupement, il a fallu à s'allier à Bemba, à s'allier à na Katumbi, à s'allier à na Muzito. De quel leadership vous parlez? Et je vous dis que les élections revêtent un caractère socio-ethnique, ethno-tribal. Ça revêt aussi un caractère linguistique, un caractère géopolitique. Village a failli nous n'avons nous comme on a dit Nini. Il s'accroche. Tout n'a pas quoi débat à la. Donc je vous montre que, hormis du fait qu'il a 2018, bah on est tout à Félix Tshisekedi a bêté qui déjà. Quand il y a tout à la bêté qui bah on. Parce que Matata Outi FCC, tout bêté qui Chadar. Failli Il était FCC oui ou non? Ben il était FCC. Il est élu sénateur FCC oui ou non? Ben oui. Mais ayez Obi Maga à la ministère. On a voyé sur configuration 2018. Félix Tshisekedi gagnant. Parce que le lot avec la méga plateforme électorale qui compte près de 500 partis politiques. La partie politique au baye pour la bande de personnes, il baye pour la étouffer bango. On n'étouffe pas l'IDPS. Bon, moi, même à battre dans le débat, on a été. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique de gouvernance, d'abord, et électorale. Dans l'Union sacrée, il y a des organes comme la haute autorité politique. Le chef d'État fait ça dans Ketchilombo. Son parti politique, c'est quoi? Jusqu'à preuve du contraire, l'IDPS. Ouais. Il y a le présidium. Comme deuxième organe suprême, il y a l'Union sacrée. Parmi les membres du présidium, l'IDPS n'est pas là. L'IDPS est là, représenté par Augustin Kabouya. Très bien. Où est la conférence de président? La conférence de président, celui qui préside comme premier parti politique de l'Union sacrée, c'est l'IDPS. Est-ce qu'il va aller étouffer? Mais Lelo Oyo, est-ce que Ezala qui Tokobengango intelligence, le chef de l'État, pour que Union sacrée, surtout qu'il y a d'abord un article, et on a une charte où il y a une union sacrée, plutôt qu'il y ait une constitution, et il y a mon amour qui a Vital Kamere, sénateur et Bahati Lukwebo, les gros poissons en union, même le président honorable Mboso, les gros poissons en union, il y a une union sacrée. Eko peki sabango même ba o bazali na kati ya ministère eko peki sabango été ba se présenter comme ba candidat président de la République et c'est les qui cartouche chez mon amoka Félix Antoine Tshisekedi pour que a bloqué ba ndeko anyoso ba se présenter comme ba candidat na élection ezali koyate. Kamere est présidentiable. Mboso est présidentiable, il a été candidat président de la République en 2006. Abima 11e. Nebakenda va s'engager à Bemba, va s'aller union pour la nation. IN, ou va tourner Bemba, ça sera opposition. Tende à ça opposition contre Kabila. Tant que Kabila va s'engager à Kinzenga, Bemba va s'engager à Bemba. Bemba est présidentiable. Il a été candidat pour la République en 2006. Bakenda a deuxième tour à Kabila. Nani les sous n'ont pas sali. Nazuka Bango mis ça tourne. Bati est présidentiable. Si que Bango 4 wana. Balaxi grandeur d'homme. Ils ont telles leurs ambitions présidentielles pour s'allier derrière la vision. Oyego Salima déjà. C'est ça la grandeur d'esprit. Omoni, le mal de ces pays, il y a que depuis 60 ans, l'autre connaissait la coalition Oyo Batmaneko signé autour de Bentere. Mais le collabat, comme qu'on signe dans tour et la vision, dans le cadre, dans le compte, dans le cadre et la union sacrée. C'est comme ça que la nation va décoller. On tait les ambitions parce que la mère patrie est au-delà de tous, au-dessus de tous. C'est le Congo qui gagne. Pour le moment, Tshisekedi est aimé par l'ensemble du peuple congolais. Allez, Kaboué Fati Béton, allez, Kaboué Mkantombolo, allez, Kaboué. Le roi soleil, papa. Tous les Congolais sont derrière Fati. Aussi longtemps, un Congolais politique avéré. Les Congolais sont toujours vides.
Quand les Congolais ont été en train de se passer, parce que la gratuité de l'enseignement. Bamoni ben école ko tonga ba route ko tonga ma gratuité de l'enseignement ou ata mon a député tout ministre moko otanga te gratuité de l'enseignement et comme est-ce que yo landeli faut ya qualité enseignement papa est-ce que yo landeli mais il y a un problème, il y avait un problème d'accessibilité à l'éducation qui est un droit constitutionnel, un devoir garanti, une recommandation sacro-sainte qui est constitutionnelle et républicaine. Et beaucoup de gens ont relevé ce problème, il y a qualité. Mais qui trop embrassement les traits, il fallait faire d'abord une chose. Mais moi, dans le service de l'éducation, il y a des programmes, par exemple le projet P4U, le projet de l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est tout un programme au Banque mondiale, même Bim Sarana Monsolo. Il y a le projet PERS. Il y a un projet qui est lié à la réforme pour organiser. Il y a un projet à la réforme, nous sommes commis dans la régie, il y a la sortie, il y a la finance, il y a un bon pour affaiblir le trésor public. Naïm So Awake, on devait d'abord pallier à cette question d'accessibilité. Rendre l'éducation accessible à tous. Il y avait un fait où tu as dit que les gens en mars sont opposants. Ils ont pris un enfant mineur, un enfant mineur. Mon ibano va m'imposer ça dans mon mouvement insurrectionnel, autrement dit babanditisme et bien kuluna. Un enfant de 12 ans a sali rage malgré la négro mabé. Donc comme le voilà solo mabé, il va le manquer même pas les garanties. Cet enfant qui est kuluna à 12 ans, kuluna a un dans un mouvement politique, a une marche politique interdit aux mineurs. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas eu la chance à aucun des classes. Si nous avons 4 ans. Oui, FX, c'est qu'il dit na âge à moi, dans cet enfant aura 8 ans. C'est-à-dire, moi, on a 8 ans déjà, je suis en train de se faire. À l'école primaire, mais mon solo, je suis en train de se faire. Cet enfant a bimé. Pourquoi? Parce que l'éducation n'a pas été gratuite. Il va parler de moi, il va parler de la qualité. Mais finalement, qu'est-ce que c'est bon? Est-ce que vaut mieux tout le temps nous canter le canter? Réfléchissons. Donc, on met la qualité, mon amour. Réfléchissons comme des Congolais. Il y a un décret qui régit l'enseignement primaire et secondaire dans Mboka Nabiso. Il y a des programmes nationaux. Ce ne sont pas de n'importe qui. Ils ont été recrutés. Ce sont des professionnels, des enseignants. De vous jeter le discrédit sur tout Batoua là. Non, parce que les locaux. Non, parce que tant que il n'y a pas un programme. Il y a un programme. Vous savez, la qualité dans ces pays de l'éducation est bébé qui, après ma pillage, tant que l'État n'a pas subventionné sous mes coltés, sous mon bouton. Création de l'école privée comme mes belles. Charge, il y a l'éducation qui est zongée par papa. Pendant que le social est mort, il s'effondrait, le parent devait supporter les enseignants. C'est ce qui a ruiné la qualité. C'est la même chose avec la presse. Pourquoi les autres, la presse n'est pas indépendante? Et comme il y a un nouveau journaliste pour pouvoir aux journalistes d'opposition. Des journalistes engagés. Non, c'est moi qui ai la connotation de Baye Sabine. Pourquoi? Parce que l'État ne subventionne pas la presse. Or, sans la presse, on n'aura pas la démocratie. Ceux qui presse est indépendante. L'État qui pèse ça, va mon solo, c'est une presse. Presse ça, mon salaire. C'est la même chose avec le secteur. Maintenant, quand on veut maintenant tout recadrer, il faut que ça soit accessible. L'histoire de la qualité, c'est une chose et son concret. On rend l'éducation accessible à tous. Et combien accessible à tous? Oui. Mais à l'interne, la formation continue à lui. Qui vous dit que les enseignants ne sont pas formés? Qui vous dit que les enseignants ne sont pas recyclés? Après, nous trouvons autant à l'ICAMBO. Selon, tant que vous accessible, selon capacité d'accueil, nous trouvons autant à l'infrastructure scolaire. Il faut faire une chose, donc le peuple qui est derrière nous, à travers ma marambo,
Balaki si accusé, ils sont prêts de donner ce deuxième mandat à Tata Mondiakolo. Il fallait que ces leaders-là bah, faire taire l'ambition bah, de la présidentielle pour s'aligner derrière Tshisekedi. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est... Mais ce sont eux qui ont un bloc antipatriotique pour que ça la dé. Oui, puis pour la ligne, Fayulu manque de moyens. Katumbi a ses moyens. Fayulu manque de moyens, tout comme on a quand même. Bah, Fayulu n'a pas de moyens. Peut-être, toi, la presse, mission surtout. Après le congrès de Kisangani, il a lancé l'appel pour dire peuple a sanctionné la Mbongo pour qu'il y ait une candidature. Mais ils appellent à l'Olenge, le notable de Kassai, ils ont sanctionné 100 000 dollars pour payer sa Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça. Ils ont sanctionné la Félix a sanctionné. Il y a une différence. Il y a une différence. Il a sanctionné, c'est-à-dire qu'il n'a pas de moyens. Quand tu as dit Bangomo, moi je te dis, ce n'est pas seulement le notable de le ressortissant de Tchop pour Baïko Tiki la Fatih Caution. Caution n'aille, pardon. Le notable de Kassai, il va y avoir caution. Bah, oh, il y a quoi en moi à travers Christophe Mosso, bah, on va repérer ses cautions. C'est-à-dire que ce sont des provinces, où, bah, des espaces linguistiques, où il va l'indiquer que le président de la République, maintenant, il va la renouveler pour qu'il continue la réforme, où il a mis en boca. Ce sont eux qui viennent payer la caution. Et non que Yé a sollicité. Il y a une différence en paradoxe. Fayulu n'a pas de moyens pour financer sa politique et sa campagne. Katumbi a ses moyens. Arolingoti qu'elle a eu. Sisanga n'est pas un leader. Il est soutenu sous coulisses, c'est pas Kabila. La tournée autant comme ça en Europe, c'était Kabila qui a sorti l'argent. Parce que Kabila a dit que Yé n'a groupe Nayewana, le fils égaré du pays. Peuple, non, non, bon, ça, il faut que ça soit pour que Bazon aux affaires politiquement. Il soutient ses sangs. Il y a aussi Moïse, il faut que le retirer ses sangs. Mettez ta pognon. Non. Ne parlez pas de lui. Hier, avec qui m'a en justice. Hein? Il y a eux qui m'a justice. Lelo Oyo, pouvoir en place, c'est l'objet opposition à pété. Non, opposition à pété, oui, ils l'opposition fait peur, mon amour. Ils ont bangé ça, mon amour. L'opposition ne fait pas peur. Le pouvoir se prépare pour contrer les velléités de l'opposition. Parce que l'opposition est devenue une menace grave pour ces pays. Au lieu d'être républicaine, l'opposition devient menaçante. Dans le sens, l'opposition crée une insécurité. Insécurité, Oyo, mon amboka, Moïse Katumbi, qu'on se rendre dans le Congo, parce que si, insécurité, qui est mon amboka. Écoutez, je vais vous dire. Article 30, 31, il y a constitution. Il garantit, on a tous condamné cet acte. Merci. Et le gouverneur s'est expliqué clairement. Merci. Dans un pays démocratique, dans le BIN, nous avons seulement, pas seulement des droits, mais aussi des devoirs. Lorsque vous informez l'autorité compétente, c'est pour recueillir son avis. Et pour des manifestations politiques, ça doit être sécurisé par la police. Le gouverneur qui vous dit que la sécurité ne permet pas de recevoir la manifestation pendant 2 jours. Il faut limiter mon journée, mon corps. Il faut s'entêter. Et l'État, et l'individu qui est censé... D'où Alex se laisse. Il faut obéir à la loi. L'autorité compétente de la province, c'est le gouverneur. Alors, que faisons ça, il y a bon, le monde vit dans le populisme, dans le buzz. Tu veux te victimiser, c'est ça le plan. Presse internationale, le ton diable, le grand là. Mais pendant que le peuple aussi n'était pas prêt à l'accueillir, parce que le Congo, le Moïse, a côté de la Congo. Ce n'était même pas le gouverneur. Le gouverneur, il a protégé qui. Au moins, il y a une image, il y a un drapeau, il y a une fiche, il y a une matadi. Il faut même dans le cas, il y a un pourquoi. Le gouverneur Jacques Mbadou, de reste mémoire, quoi qu'on fasse, tant qu'on y a la Nishasa Mouta, bien avant Moïse Katumbi, il paraîtrait. Ce que je veux dire, c'est que y a bien un Mouninga, il y a la Nishasa Mouninga, il y a la Zongate. Mais ce que je veux dire, c'est comme ça que le gouverneur l'a protégé. Je disais que l'opposition crée l'insécurité. Il y a un foyer de tension. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils créent un plan macabre, ça va bien descendre, va discréditer le régime.
On a vu dans des plateaux de télévision, ma porte parle, ma communicateur, ma porte, c'est cette opposition qui va faire peur au régime. Nous, ça nous fait peur parce qu'au lieu d'être un bloc pour la nation, pour mener une opposition républicaine, est commis un danger permanent pour la nation, un bloc antipatriotique. Est commis un bloc où ils se confondent à un mouvement rebelle, à un mouvement insurrectionnel. Au lieu de ça, il y a un plan pour nous retourner à l'école, il y a un plan pour nous retourner à l'école. Ça va faire peur au régime. Je pense que les Congolais ont été mis en Congo Live Télévision. Partout où vous avez été mis en Congo, moi, je suis Prince Kinana, qui est le cadre de certains partis politiques chers et honorables. Christophe Mbosonko Diampwanga, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Lelo oyo nabandi ete nakotuna mituna misato ya liboso bande konyoso baye na kati ya union sacrée. Oui, ba kopesa président de la République et majorité na ye pour que aleka comme à sa deuxième mandat. Mais, bande konyoso, ils ont la présidium, ils ont la bande ko 6, ils ont la parti politique, ils ont la carte union sacrée. Lobby, après ma ponami, président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Mais, ma député, ma kobima, ma kozongi, sa li sous président de la République, ma ko contraindre président de la République, te, a me mali sous parlement, n'a me mis na tour, oyo. Question li bosso yango. Le premier que il fallait formaliser les choses, c'est vraiment que banda qui n'a charte. Tu benga qui n'a tata monte quoi la banda n'a pas benga bati. Nous sacré banda bon. Boya bota la vision qu'on a dans mon point d'école. Mon côté bosa na tala mambazo ça la boy boy. Bino va diriger, bino va décider. Boya qu'on rejoigne les maïs. Tu gouverner école autrement. Maïs. Attends ici bon vision. Bah cheminer, tu coucher, bah idéo nous surtout sur les papiers. Une ligne de conduite, un règlement, une charte qui nous réunit. Là où les choses sont formalisées. Pourquoi s'attendre à ce que Batouba Kenda? Parce que lorsque le chef de parti politique va adhérer à l'Union sacrée, ils ont adhéré pas à Félix Tshisekedi, mais va adhérer à l'idée, à la vision principale de l'école. Et je pense que quand nous sommes du bon côté de l'histoire, nous allons écrire l'histoire que le monde a souhaité pour ce pays, mais d'une façon glorieuse. Deuxième question, Moutouna Ami Balé. Bande konyoso na kati ya union sacrée, Moutouna Sakoloba, vision ya mokonza mboka, idéologie ya mokonza mboka, tu adhères parce que vision ya mwezanini, Moutouna Ami Balé. La refondation de l'État et la reconstruction de l'État-nation. C'est ça la vision politique de Félix Tshisekedi. La refondation de l'État et la reconstruction de l'État-nation. Ce que dans le pilier secteur par secteur. Mais vision au Tuni, comme idéologie politique, modèle de gouvernance, la refondation de l'État et la reconstruction de l'État-nation. Moutouna Misato, Lelo Oyo, Nakatia Union Sacrée, Nakatia Union Sacrée, ma parti politique, Union, ma poussine Union Sacrée, Bayo Kaboula Gatote, question Misato. Kokabola gâteau, c'est trop dur parce que la politique est l'art de gérer une cité. Bah, il faut participer à la gestion ensemble. Parce que lui-même ne peut pas se dédoubler à la ministre de l'économie, à la ministre intérieur, à la présidente du Parlement, président du Sénat. Il faudrait que Mbo soit là. Batia Zala, Kamera Zala, Bemba Zala, Sama Zala, Kabouya Zala. Voilà, Nabandi était. Balandi ya Congo Live Télévision ezalaki bongo esengo mingi na banzi ete motuna oyo ezali nango motuna ya suka ezali bongo boni boni basango ya CRD. La convention pour la République et la démocratie parti cher et honorable Christophe Mbosonko Diampwanga oyo vision politique na biso ya la libéralisme social pour combattre les inégalités à travers la République et qu'on s'est porté très mieux installé aujourd'hui à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. La CRD, elle écoute la Fédération Libanda Mboka en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Suisse,
na Suède, na Belgique, na Hollande, ba fédération, ya serde ali na pesi ba mbote. Aujourd'hui to gagner ma ponomi, tata mo kondi ya parti na biso. Christophe Mboso Nkodia Mpoanga, les patrons de la République, le président de l'Assemblée nationale, les courses sonorums, les Deus Ex Machina, a tient en place quatre plateformes politiques. Autrement dit, un regroupement politique. AACRD, AADD, AAC bar Palou bar KML. Quatre regroupements politiques. Où il y a le président, il y a cartel Ouana. Pour donner la majorité écrasante à Félix Tshisekedi. Vous savez, Mboso fait partie de ces politiques qui sont toujours fidèles et loyales à ses idéaux. Christophe Mboso a toujours cet amour de la République démocratique du Congo. Lui ne pense qu'une nation. C'est un démocrate républicain inné. Un modèle de la bonne gestion. L'unique politique congolais jusqu'à ce jour. Depuis Mobutu, surtout le Mboso lui-même, jusqu'aujourd'hui, voire même dans un ministère clé, mais à ta 50 francs, même Bic et Bungate. Mboso a été ministre à portefeuille. Mboso a été ministre des mines. Mboso a été ministre de santé. Mboso a été ministre de l'énergie et des ressources. Mboso a été ministre des sports. Stade des martyrs et tout, en Mboso a été ministre des sports. Mboso a été 11 fois ministre. Mboso a été 7 fois député. Mboso a été président du rodage. Mboso a été président de l'Assemblée définitive, bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais volé. Un républicain. Il travaille toujours pour la République et non pour les individus. À travers le rapport, il a été l'unique ministre à mine. Il a été un carré minier comme Mboso. Donc, il a travaillé pour la nation. Allez, qu'on continue à travailler pour l'école. C'est comme ça que l'imani m'a quitté dans mon école. Parce que ma vision est tout en ligne. Au musicien, mon amour, comme ça, le bas, pour tout le temps, mon amour, il faut tout le temps, 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 il faut tout le temps. Pour les élections, nous allons aligner les candidats à tous les niveaux. À la présidence, notre candidat s'appelle Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. C'est lui, au niveau de la présidence. C'est Félix Antoine Tshilombo, candidat président à la CRD. Candidat président de la République à la CRD. Au niveau de la député national, tu as aligné partout, dans la circonscription électorale, Nyonso. Elle a la CRD. Elle a un regroupement 4 ans dans la CRD. Tu as aligné partout. Dans la provinciale, dans la communale, dans la tu as une élection par gouverneur, on va aligner partout. Tu as une élection par sénateur, tu vas aligner partout. Parce que nous voulons qu'il y ait des Cerdéens partout pour mieux asseoir la vision du président de la République. Parce que tu as une vision à Cerdé, tu as une vision à IDPS, de moins que c'est un mariage de vision. Cerdé a le parti social-démocrate, IDPS a un parti social-démocrate. Donc nous pouvons bien marcher ensemble. Voilà, na bandi ete bande konoso bazwa ki libako ya kolanda biso na mokolo ya lelo to partager bongo ba sujet o ezali na kati ya République démocratique du Congo to ko continuer toujours ko beta sete na kati ya mboka na biso parce que to ebi ete congolais nyonso esengeli ayiba situation ko leka na kati ya mboka na to ko continuer ko souhaiter ba joyeux anniversaire na mokonzi ya mboka mo kwa tombolo Fatshi Beton le roi soleil to ko pesa ye moka ko so et puis nzambe a continuer ko batela ye a continuer toujours ko Nirié, Nabanziete, Batumio, Sobazwa Kilibako, Kolanda, Prince Kina, Nalelo, na diaspora, na pays Nyonso, Ezaliza, na Katia, ba province Nyonso. Message ni occuper sa population dans 30 secondes. En 30 secondes, je dirais, nous devons soutenir les institutions de la République. Soutenons le chef de l'État. Il vient refonder cet État. Il vient nous réapproprier l'État-nation. La RDC était que notre pays de nom, mais à Kimbokanabi, c'était la gestion nous échappait. Tout partait à Kigali. Le Rwanda a décidé sur tout. Mais le président fait ça avec Tshilombo. Ensemble avec Christophe Mboso. Ne suivez pas les frustrés du pouvoir. Ne suivez pas Mbongo. Mais suivez les chefs de l'État.
Je vais vous dire que je vais vous dire. Merci Nana Bandeko Bastio, Nana Cadre Malam, Oba Limique, toi que le Bela Bakongolais, Nana Cadre Gitoko, Toto Kite, Tosalinité, et c'est cet état que nous voulons, la qualité. Mouli partout, on veut changer les choses. Et tu as une image, j'ai bien pour tout le monde, il faut France 24. Ou tu peux aller dans la plateau, il faut que tu aies dans TV 5 Monde. Ah, on appelle la Congo Live Télévision, donc ça, la émission, la condition, il y a Malam. Merci, enfin, merci, je viendrai encore. Merci beaucoup. Nana Bandiete, Balanion, c'est Congo Live Télévision. Tout le monde a un numéro de la prince Kinana, mais tout le monde a invité Moussous pour que tout partage l'actualité. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps à faire des choses. Je